bien les pieds dans la neige, on est loin de ce qui se passait à Tokyo. Putain. Alors Otaru c'est où? C'est on est à Hokkaido et c'est genre à 45 minutes de Sapporo. Et c'est une ville assez touristique qui est fameuse pour sa seafood, donc ses fruits de mer et tout ça. Et apparemment il y a plein de trucs à voir, donc on va aller voir. Là vous voyez, il y a une inscription en russe, donc on n'est pas tellement loin de la Russie en fait. Il paraît qu'il y a pas mal de Russes à Hokkaido, dont de la mafia russe dont j'ai entendu parler. J'imagine que si tu fais du mal à la mafia russe, elle te met un stalactite dans la figure. Vous voyez la taille du stalactite là? Ça dans la tête, ça doit faire mal. Entre ces bâtiments, on a un style un peu anglais, dû à des architectes qui ont construit beaucoup de bâtiments de cette ville. Et en plus de la neige, j'avoue qu'il y a une combinaison et ça fait un certain charme à cette petite ville. Très très appréciable. Je vais donc m'asseoir dans le trône. Ça glisse. Il faut savoir qu'à Otaru, alors je vais attendre parce qu'il y a de la zig de merde. Il faut aussi savoir qu'à Otaru, c'est une ville où la seafood, enfin les fruits de mer, tout ça, sont très très réputés à travers tout le Japon. Donc on va peut-être tester ça. La seafood est très célèbre, donc on va goûter ça tout de suite. Bon appétit. Des œufs de poisson. Alors le Japon, c'est pas forcément le premier pays pour la défense des animaux. Je pense que c'est assez notoire. Donc voilà, on peut toucher un espèce de cheval bien doux. Il y a tellement de neige qu'on voit qu'ils ont construit des espèces d'étagères en bois pour éviter que la neige tombe. On est sous une arcade à Otaru. Et en fait, le sol est quand même plein de neige. Je me prends. Et à Hokkaido, ce qui est aussi très célèbre, ce sont les miso ramen. C'est vraiment très très bon. Et là, on est devant une des attractions principales de Otaru, qui est son fameux canal avec des lumières qui flottent. Peut-être que ça rend bien avec la caméra. Magic.